Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Forspoken. J'espère que vous allez bien et nous allons continuer notre combat et probablement taper la gueule de Olia. De Olas. J'ai pas ses noms. Ah non. Allez, vas-y, saute. Tu l'as déjà fait par le passé, n'est-ce pas? C'est ça qu'elle va dire. Ce serait tellement mieux. N'est-ce pas ce que tu penses? Je ne le vois que trop clairement dans ton esprit. Tu ne trouves pas ta place dans ce monde. Ta vie n'a pas de sens. Et à qui manquerais-tu? Ça. Qui s'en soucie que tu vives ou meurs? Moi. Ils te laisseront tomber. Ça finit toujours comme ça. D'ailleurs, tu les as abandonnés? Toi aussi? Oden, Joedi, les habitants de Sipal, et Homer. Peut-être mieux vaut le chat ici. Surtout. Maintenant, personne n'aura jamais besoin de le savoir. N'écoute pas, Frey, ça compte pour moi. Je suis avec toi. Non, non. C'est encore une de vos manipulations. N'est-ce pas, Olas? C'est quoi le problème? Vous avez la trouille de m'affronter? Ah, t'en as déjà buté deux déjà. Merde. Bon. C'est quoi ce machin, hein? Qu'est-ce que c'est que ce machin, hein? Olas essaie de t'empêcher de partir. Si tu meurs, tu restes d'autres fanatiques. Génial. Dis-moi, si jamais elle essaie encore de m'embrouiller, je serai là pour te prévenir. Ne t'en fais pas. Je le siffle ça, moi. Tu as assassiné Scylla. Scylla est brave, oui. Et pourtant, je n'ai pas l'intention de te tuer. Je veux juste que tu dors. Je peux pas tuer ça. Ah, mais. Arrière! On se sert de toi. Quoi, arrière? Ne le vois-tu pas? Wouah! Frey, tout va bien? Mais non, mais je prends cher là. Si on veut. Ah, wow. Ne t'en approche pas, elle va essayer de pénétrer ton esprit. Ok. Qu'est-ce que cela t'apporterait de sauver Atia? Les autres, ils se servent de toi pour arriver à leur fin. Pile où il fallait. Ça, ça veut pas, hein. J'ai un très mauvais pressentiment. Mais comment j'esquive ça? Comme ça, ok. Tu peux prévoir quand elle va frapper. Fie-toi à ce que tu ressens et entends. Laisse donc la corruption t'envahir. Pour que vous puissiez m'enfermer dans ce délire surréaliste. La corruption. Ah, on est en train de se corrompre, de se faire corrompre, quoi. Heureusement qu'il est vulnérable à la flotte. Super. En mode invisible. Je m'en serais bien passé. C'est ce genre. Et tu ne l'entendras jamais arriver. Ça a dû faire mal. Bon. Tu n'es pas à même d'échapper à cette réalité. Bien sûr que si. Piu piu. Attention. À gauche. À gauche d'où? Je le vois, tu es las. Et tu portes un fardeau. Pourquoi t'imposer? C'est téléporté derrière nous, c'est scandaleux ça par contre. Laisse-moi t'épargner tout ça. Je suis pas d'accord. C'est quoi cette lumière? Sûrement quelque chose d'hostile. Sois vigilant. Quelle lumière? Devant toi! Ici, tu peux tout avoir. C'est tentant, mais vous avez faux sur un truc. Je déteste le café. Et voilà. Et on fait des dégâts quand même, mais... À gauche. La vérité est à double tranchant.
Ok, ça c'était bien esquivé. Mais pourquoi ça ne... Ah. Ça n'a pas marché. Ouais, mais il arrive. Bah oui. Repose-toi. Vous n'y arriverez pas. À gauche. Encore à gauche. Et lequel gauche? Dans le mille. Ça va saigner. Elle a pas pris de dégâts sur ma... C'est de la merde. Tu ne peux pas voir, on t'a mis des œillères. T'as des œillères. Devant toi. Allez. C'est mieux comme ça. Ah mais zut. J'ai pas son pattern là. Ok, nice. On a buté. Paf, ça dégage. Non. Mon fidèle acolyte. Ah, vous éprouvez des choses alors. Je pensais que sa mort nous délivrerait de l'illusion. Mais rien n'a changé. Attends, t'es en train de dire qu'on est coincé là? Mais non. On va pouvoir se barrer là, non? Laisse-moi. Hein? Je ne vois rien d'autre que du désespoir qui t'attend. Oh, mais dis pas que ça. Mais, ce machin est censé être mort! Il revient. Non! J'entends plus rien non elle plus! Elle est sourde, audition altérée. Et maintenant? Crabbe? Tu m'entends? Oui, moi je t'entends parfaitement. Oh, c'est bon, j'entends à nouveau. Quand ce rêve s'effondrera. Tu seras enseveli. Il a l'air encore plus puissant. Sois vigilant. Super, il revient. Je peux pas. J'abandonnerai pas. Ah putain. Je vois plus rien. Ça est aveugle. C'est forcément passager. Surveille le sol. Paf. Tu vas morfler. Ah, ah. Ma magie est bizarre. Essaie un autre sort. Ah. Ok. Ah, ah. Oh, c'est beau pour ma magie. Ravi de l'entendre. Aïe. Il se dédouble, super. Ah, il se tripouille même. Il commence à y avoir du monde. Bah oui, là. Pour longtemps. Oh, ah, mais putain, mais oui, mais ça n'est pas arrêté. Génial! Oh, ça a l'air douloureux. Encore le champ de force, prêt. J'ai remarqué, je m'éloigne, c'est ça? Parfaitement. Allez. Oh, super. Et c'est reparti! Ah! Bah ouais, mais là. Putain! C'était chaud. Il va falloir qu'elle se renouvelle si elle veut nous avoir. Bah, elle s'est renouvelée. On a trois d'un coup là, c'est beaucoup. Plus près. Ça, je peux esquiver. Putain, je suis encore aveugle. Fie-toi à ce que tu entends. Tu me prends pour qui? Une chauve-souris? Allez, sont rapides.
Merci d'être venu. Ah, mais ils sont trois. C'est terminé. Par ici la sortie. D'où je me le suis pris? J'ai esquivé pourtant. Cela empire tant que tu restes à l'intérieur. Arrange-toi pour ne jamais te retrouver acculé. Avec une magie. Quoi? Ah. Qu'est-ce qu'elle me fait encore, elle? Ah putain, c'est vrai. D'où le con là. Faut pas se relâcher. Reste plus grand chose. Ah putain. C'est rire dégueulasse. C'est pas très si dramatique. Je fais piste au pioul là. Merde. Ah, il me refait ses merdes là. Des clones? De mieux en mieux. Dors bien, tendre enfant. Oh, mais putain. Voilà, par contre, il y en a beaucoup trop. Ah, ça me touche là, sérieusement? Ah, c'est horrible. J'ai plus de magie, je peux pas esquiver. Ah, mais je peux même pas en tuer un. Barre-toi de là, conne de Frey. Et pourquoi ça veut pas utiliser mon sort là? Tu ne peux pas en sortir. Bien sûr que si, je peux en sortir. C'est juste que on se débarrasse de cette merde. Ah, il m'en refait des clones encore là. Non, 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 non. Je suis pas d'accord avec ça. On va le tuer et puis c'est tout. Ah, mais pourquoi il saute ce con? Bordel. Il reste rien. Ok, il est mort. Parfait. Après une deuxième fois, hein, c'est bon. Enfin, une troisième fois plutôt. C'est chaud là. Oh. Tu n'as rien? Putain, c'était quoi tout ça? Tanta Olas a eu recours à ses dons pour entrer dans ta psyché. Elle a exploité tes désirs les plus secrets. Mais c'est fini. T'es bien sûr? Oui, tu es dans la réalité. Ok, et elle est où cette réalité exactement? Eh bien, à Visoria à première vue. Le royaume d'Olas. Le royaume d'Olas, ok. Et c'est son château? J'imagine, oui. Alors, que fait-on? On va se la faire. Ben voilà. C'est ce que tu voulais, Crave. Hop, parfait. 1700 XP. On va sauvegarder. Chapitre 11, envoûtement. La troisième Tanta. Très bien, très bien. Ah, Visoria a pris cher. Ouais. Cet endroit ressemble à rien, non? Il ressemble à rien, le oui. Le royaume tout entier est normalement sous l'emprise d'Olas.
Pourquoi faire un effort de décoration quand elle peut lui donner l'apparence qu'elle veut? C'est vrai, ouais, dit comme ça. C'est pas ce qu'elle va nous sortir cette fois, mais ça m'empêchera pas de la buter. Là, semblait pas complètement folle. C'est elle qui a fait la brume, hein. Parfois, Tante Aolas semblait presque, je sais pas, sensée, lucide. Ça m'étonnerait. La corruption ronge l'esprit des Tanta depuis de nombreuses années. Mais tout ce truc à propos des sacrifices et des victimes, tu crois qu'il y a un peu de vrai dans tout ça? Elle est malade. Elle ne faisait que jouer avec tes émotions. Elle aurait dit n'importe quoi pour maintenir son emprise. Yep. Peut-être. Mais c'est certainement même. Que va-t-il se passer à Asia? Alors, il se passe quoi après? Après quoi? Si je tue toutes les Tanta, c'est quoi la suite? Tu mets un terme à leur règne. Tu gagnes. Voilà. Ok, super. Mais il se passe quoi? Pour Atia, je veux dire. Pourquoi demandes-tu? Ben, regarde autour de toi. C'est la merde ici. Ce sera pas... Pouf, tout va mieux. La brume ne disparaît pas quand les Tanta meurent. Mais peut-être. Et... Arrête juste d'empirer. Ben peut-être qu'elle disparaît quand elle meurt. Je sais pas. Les lieux indiqués sur la carte d'Oden ont été ajoutés à la carte du monde. Château de Visoria. Éliminer l'ennemi. Château de Visoria. Un repère. Ok, il faut qu'on aille là. Hein. Bienvenue en Visoria. Qu'y a-t-il? Tu es encore désorienté par cette illusion? Non, mais celle-là sera bien. Réussis. Elle veut prendre ça en photo? Ok. Pourquoi pas. C'est vrai que c'est sympa. On a plus pris la tour, mais... On est un peu loin. J'ai hâte de montrer ça aux gamins. Ils auront largement de quoi se réjouir. Oui, surtout qu'on est déjà passé et qu'on en a eu à rien à faire. Les pauvres gamins. Enfin! Oui, voilà qui arrive effectivement à point nommé. Magie bleue plus 2. J'ai besoin de ça pour le moment. Voilà qui est hors du commun. Pépite. En V3, est-ce que je peux améliorer des choses du coup? Il me faut des pépites. Ouais, c'est ça, il me faut des pépites. Il en faut les 3. On va faire des décoctions de soins. Cool. Et est-ce qu'au niveau de la magie, je peux améliorer des trucs? Fusil. Source maintenant. Ah voilà, botte dorée. Comment je fais? Ah, ça augmente des sorts. En fait, il y a des trucs pour gagner des sorts. Ok. Comprends mieux. Là aussi, j'ai des sorts que je pourrais débloquer, par exemple. Je vois qu'une explosion qui creuse un trou béant et dont le souffle vous propulse hors de la zone touchée et vous fait passer à la magie de Frey. Ah, ça peut être pas mal, ça. A plus E et truc. Ouais, cela dit. Vos compétences en fabrication vous permettent de transformer les éclats de brume en autre type d'éclats. Pourquoi les éclats de brume déjà? Que j'ai loupé ou... Encore plus fort sur une zone élargie. Troisième. Ah oui, d'accord, celle-là est... ok. Celle-là, elle déconne zéro. Ils ont la queue. Ok. C'en est une autre. Attaque qui... Pas mal.
Là, elle fait quoi? Elle fait ça. Les touches sont maintenues, ça fait boum. Et la troisième. Ça refait boum derrière, stylé. Pas de faire ça, ça me fait une attaque en plus. Ça, ça rajoute une troisième flèche. Ça en fait 5. Ça peut être pas mal en zone. On va augmenter la zone de ça et on va augmenter ça également. Il n'y a pas moyen d'améliorer ce sort-là. Il faudrait que j'aille là. C'est pas ça que je voulais faire. C'est sup, c'est pas échappe. Même si vous annulez des défis en cours, votre progression il sera sauvegardée. Ok. Très bien. Je peux pas les améliorer eux ? Non. Il y a pas de quête. Ok, fuck. Je pensais qu'il y aurait des quêtes. Ah bah si, lui, il y a une quête. J'ai dû déjà la faire, là, du coup. Sans salerie, on va l'annuler. Un sur trois, on va l'abandonner aussi, celui-là. Ça peut être cool ça, on va la prendre. Hop. On va faire ça. Est-ce que je pourrais améliorer? Je pourrais essayer d'améliorer le tir. Je mets de la puissance en plus des critiques. J'ai bleu plus 1. Et on va essayer de faire ça. Tu as intérêt à te préparer avant de partir. Hop. Il y avait encore une. Oh, il y en avait une là, merde. Bon. Oh, mais il y a les deux mini. Ok, ok. On va s'arrêter là pour cet épisode de Forspoken. Il aura duré que 23 minutes, mais c'est pas grave. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.